Bon, j'avoue, il y a des moments où je mets le programme à 80-90, mais sinon, en général, le programme éco, tranquille, ça me va bien. J'ai quand même beaucoup de temps pour moi, puisque je suis artiste. Et ça me permet notamment d'écrire des chansons pour vous. Il y a juste par rapport au chômage, c'est un peu compliqué, quoi. Déjà, je suis comédienne, en plus, je suis chanteuse. Et puis, parfois, je fais des voix. Et puis, parfois, je ne travaille pas. Et puis, quand je travaille, je suis pas toujours payée. Et puis, quand je travaille pas, par contre, je suis payée. Enfin, c'est bizarre. Mais je leur explique aux gens de l'ONEM. Je suis douée en informatique. J'ai un cerveau analytique. Je résous en un clic les calculs numériques. Mais j'ai peur des souris, c'est phobique. Je suis douée en art dramatique. Un petit cognac et c'est comique. J'ai une très bonne technique, une belle présence scénique. Mais j'aime pas parler en public. Si je suis chômeur, c'est pas de ma faute. Je suis éclectique. Je me sens dans ma vie comme au resto. Trop de choix, ça me rend dingue. Je me bourre de pain en regardant la carte et chaos. Du coup, j'ai plus faim. J'ai une passion presque érotique pour les domaines ésotériques. Massage ayurvédique, respiration tantrique. Mais je suis hyper kinétique. J'ai une attirance boulimique pour les métiers thérapeutiques. Sauver les hystériques, les névroses et chroniques. Mais je suis égocentrique. Si je suis chômeur, c'est pas ma faute. Je suis éclectique. Je me sens dans ma vie comme au resto. Trop de choix, ça me rend dingue. Je me bourre de pain en regardant la carte et chaos. Du coup, j'ai plus faim. Je me verrais bien scientifique, facteur ou flic, médiateur politique, animal domestique, champion à l'élastique, gérant d'un GB diététique. Mais si je suis chômeur, c'est pas ma faute. Je suis éclectique. Je me sens dans ma vie comme au resto. Trop de choix, ça me rend dingue. Je me bourre de pain en regardant la carte et chaos. Du coup, j'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Merci.